habitués chaque jour à prendre leur goûter, que toujours ils achetaient chez leur boulanger. Ce jour-là, cependant, ils furent bien étonnés quand sur la grille baissée, ils se cassèrent le nez. C'est d'abord un martien qui leur tomba dessus et qui leur laissa un cadeau inattendu. Quand Valling appuya sur le téléporteur, il se vit arriver dans les Alpes sur l'heure. Bastuk fut ensuite enlevé par la mafia grâce au téléporteur. Valink le retrouva. Les mafieux, pour mener à bien leur plan secret, dirent que des objets les mèneraient au boulanger. Valink et Bastuk, la quête du boulanger devient votre obsession, car le manque vous inflige de bien curieuses visions. Voilà où mène la gourmandise, Valink et Bastuk. Mais quand un journaliste eut vent de cette histoire et qu'il la publia dans le journal du soir, ce sont les militaires qui s'en emparaient, retenant prisonniers les jeunes téméraires. Le limier transforma les soldats en zombies. Valink et Bastuk furent par eux poursuivis. Ils ne durent leur salut qu'à une écologiste qui fit exploser la base pour couvrir leur fuite. Et ce n'est pas fini car, pendant tout ce temps, les Corses du Nord contre eux avaient eu le temps. Dans la plus pure des traditions terroristes, ils essayent de faire sauter le film des sudistes. Valink et Bastuk, la quête du boulanger devient votre obsession, car le manque vous inflige de bien curieuses visions. Voilà où mène la gourmandise, Valink et Bastuk. Leur quête les entraîna dans des mondes parallèles. Et face aux gardiens du phare spatio-temporel, l'ordre de l'univers, ils ont tout chamboulé pour trouver d'un seul coup les objets tant cherchés.
passion que du dernier morceau fut la révélation. Il devait encore faire de nouvelles découvertes, car certains n'étaient pas ce qui prétendait être. Enverrez-vous le bout ?